Cette histoire commence sur une île. Oui, c'est cela. Un musée, entre les parenthèses d'une île et de ses mythes. Une île, entre les parenthèses du temps. Une île du bout du monde, née dans l'océan Indien il y a bien longtemps. Quelques 3 millions d'années. Une île à la jeune histoire, isolée à plus de 10 000 km de la vieille Europe. Histoire d'un musée en France, pourtant, mais une France autrement. Le charme envoûtant du musée de Villèle, à Saint-Gilles-Léaud, nous est révélé par l'étrange beauté du site. Ici, plus qu'ailleurs, à tout moment, on saisit les liens profonds qui unissent l'homme, composant avec la nature. Au loin, la mer est partout présente, immensité mystérieuse, marquant l'éloignement du monde et des autres hommes. La parenthèse s'ouvre maintenant sur une ancienne habitation, vaste domaine concédé à la fin du XVIIe siècle, au nom du roi, à d'intrépides et entreprenants colons, en quête de la toison d'or. Issu de ces conquérants du monde, Henri Paulin Panon des Bassins, créole de la deuxième génération, fit construire entre 1775 et 1788 une étrange bâtisse, qualifié par un chroniqueur du siècle dernier de « château d'architecture malabar ». Comme le veut la tradition insulaire, se trouve à proximité la cuisine, discrètement camouflée par un écrin végétal. Sur un autre côté de la demeure s'abrite un pavillon, recouvert en bardeaux de bois. Évoquant la configuration architecturale des anciennes cases, anéanties par le temps et peut-être aussi par la négligence ou l'indifférence. Ici, comme partout ailleurs sur l'île, les esclaves ont laissé peu de traces archéologiques. Polycarpe, le créole, Scolastique, la malgache, Figaro, le caf, Dominique, le malabar. Ils étaient 295 à travailler sur l'habitation en 1845. Témoin muet, l'ancien hôpital des esclaves conserve le souvenir. Plus loin, à quelques pas de la maison de maître, pareille à de robustes fortifications guerrières, dominent les murs imposants de l'ancienne sucrerie. Usine modèle en son temps, édifiée à partir de 1824, un quart de siècle après la mort de Monsieur Desbassins. Il ne reste, ici et là, que ruines énigmatiques, oubliées par les années, laissées pour compte de l'histoire. C'est sans doute aussi en ce lieu, en regardant certaines pierres, que l'on peut comprendre comment naissent les légendes. Marqueur de la réalité et de l'imaginaire, la chapelle pointue veille. Son architecture, où s'affirment le cercle et l'octogone, étonne. La silhouette de son toit séduit. Elle est l'affirmation d'une foi,
Elle est un lieu de recueillement et de dévotion. Elle est surtout le sanctuaire d'un mythe, le mythe de son commanditaire, Madame des Bassins. Que reste-t-il des splendeurs passées de la demeure où vécut la veuve des Bassins durant plus de 46 ans? Une architecture qui puise sa référence dans les grandes résidences officielles pondichériennes construites par la volonté française à l'époque de l'expansion coloniale du Royaume de France. On sent là les leçons d'un classicisme mesuré et harmonieusement simplifié. Quel calme, quelle sérénité il se dégage de la façade occidentale, animée en son centre par le rythme ternaire des vérandas rafraîchissantes. Sur le toit en terrasse, appelé argamaste, se faisait au XVIIIe siècle le séchage du café. Depuis 1973, l'ancienne concession est devenue musée, invitant à une lecture sensible des origines de la Réunion. Des Desbassins aux Villèles, les générations qui se sont succédées ont laissé la place aux visiteurs de l'histoire. L'intérieur de la construction affiche un luxe utile, que la maîtresse de maison opposait avec naïveté au luxe de cuivre doré. À travers un déambulatoire formé par les sept pièces du rez-de-chaussée, l'objet interroge le regard, relique d'une dynastie éteinte ou repère historique d'une réunion naissante.
En contrepoint, nous sont comptés les amours pudiques de Paul et Virginie, évocation exotique du mythe de l'exotisme. Il est des heures où la frontière entre réalité et imaginaire semble abolie. Quand le regard se disperse au hasard des fenêtres. Si la pierre résonne sous les coups répétés des ciseaux et des marteaux, elle rythme un chant incantatoire puisé au plus profond de la source originelle. Dans le battement des tambours malabar, ou dans la mélodie déchirante et troublante du maloya, surgissent les voix des ancêtres. Elles ne se font pas entendre qu'à Saint-Gilles-Léo, mais c'est ici qu'on les perçoit avec émotion. Depuis 1918, la cloche de l'usine qui exhortait au travail s'est tue. Les vestiges des bâtiments en pierre taillée témoignent à leur manière de la prospérité passée de la propriété. Quand l'île Bourbon était une île à sucre. Au-delà de leur mutisme, les pierres livrent leurs secrets, usées et patinées. Elles n'ont pas perdu la trace de ceux pour qui la canne à sucre représentait tout. Une raison de vivre, l'espoir d'une existence meilleure. Non loin de la sucrerie, devenue un terrain privilégié de la prospection archéologique, dans une ravine profonde, se cache une vieille roue hydraulique. Elle alimentait autrefois le bassin de l'usine et donnait vie aux machines à vapeur, œuvre du progrès humain. Vestige encore en survie, mais en sursis. Elle est un patrimoine porteur d'espoir. On prend conscience dès lors de l'utilité de sa sauvegarde. Le musée est aussi la vitrine du temps présent, où se reflètent les images contrastées d'une société qui se cherche. Ce n'est plus le lieu officiel du passé figé, mais c'est un centre créatif d'une mémoire vivante, où chacun devient acteur de sa propre histoire, où chacun aime à se retrouver entre les parenthèses du temps. Thank you.
esclave, c'est quelqu'un qui est contraint au travail. On vient prendre chez lui. On ne lui demande pas son avis. Et en plus, il n'a pas le droit à la famille. La famille n'existera jamais pour les esclaves à La Réunion jusqu'en 1848. Et là, vous avez un meuble un peu particulier. C'est un canapé mortuaire. C'est là-dessus qu'on mettait les personnes décédées pour les veiller. C'est encore utilisé, de moins en moins peut-être. En tous les cas, c'est utilisé le plus tard possible. Et puis, quand cette maison était habitée par la famille de Villette en 1974, la pièce était plus jolie. Ça a été verni au temps encore. Et pour 2 ou 3 ans, le département fait reconstruire le bois. On a repassé le vernis au passé. Hé, c'est pas des cartes. Le musée a ses visiteurs du soir, qui l'observent avec un œil amusé et quelquefois provocateur. Ainsi, les jeunes du quartier vont à la reconquête d'une histoire inventée, souvent mal connue, où le spleen dans l'âme s'envole vers des paradis artificiels, au-delà des reflets irréels du lointain océan. L'instantané du temps présent fixe sur le papier ou la pellicule les images d'une histoire réappropriée. Le musée est un espace privilégié où se déroulent les grandes cérémonies rituelles de la vie créole. La chapelle pointue fut élevée à partir de 1841, offerte à Dieu et consacrée à l'évangélisation des esclaves. Détruite par un cyclone en 1932, elle est aujourd'hui une illusion. À l'intérieur, la ronde recueillie et silencieuse des saints écoute les prières inspirées, murmure d'une dévotion sans faille. Les statues de plâtre peint s'animent et se colorent par les rayons lumineux du soleil, adoucis par la tempérance des vitraux. Le marbre blanc de la plaque tombale dévoile les marques d'une distorsion. Fracture brutale dans le souvenir de Madame des Bassins. Mmh.
la pierre funéraire oppose au personnage historique qu'elle protège contre l'oubli du temps le mythe tenace d'une chimère qui hante la mémoire collective. Madame des Bassins est toujours présente. Son mari survit dans son ombre. Qui était-elle? Le mystère demeure. Archétype de la mère autoritaire, elle incarne une figure populaire qui attire, fascine et que l'on craint. À travers elle, s'affrontent deux conceptions antinomiques de la société. Elle n'en est pas moins un bouc émissaire de l'histoire réunionnaise. Les légendes qu'elle nourrit sont à l'égal de sa grandeur passée. Amblin des Bassins s'éteint dans sa demeure de Saint-Gilles-Léo dans sa 91e année. Deux ans après, le 20 décembre 1848, un émissaire de la jeune République nommé Sarda Garriga apporte à Lille le décret officialisant l'abolition de l'esclavage. Quand le jour s'achève, les visiteurs d'ici et d'ailleurs regagnent discrètement les paysages d'une autre réalité, hors des parenthèses du domaine. Alors, le musée et ses abords deviennent le décor enchanteur et fantastique de rêveries ininterrompues. Silence trompeur et illusoire qui capte l'attention. Parfum d'ylang-ylang, de jasmin et de francisea qui enivre les sens. Obscurité enveloppante qui interroge l'âme. Le cœur frissonne avec délice et l'instant devient éternité.